Salut tout le monde, c'est Gamagri. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17. Et aujourd'hui les gars, je vous présente Eben Lebouche de JF Farmer, JF Agri pardon, et VCA. Donc ce sont des bains qui sont sortis plutôt pour les 500 abonnés de la chaîne de VCA. Donc la chaîne de VCA sera en description, plus le lien de la benne les gars, donc n'hésitez pas à les checker. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. On essaie d'atteindre les 400 abonnés, ça serait super. Donc, comme vous pouvez voir, elle a le Dynamic Hose, cette benne. Donc j'adore, franchement, les petits câbles qui sont branchés là sur la benne, ça rend tellement bien. Donc même là, vous voyez, les câbles, enfin, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien faits. J'aime bien la 3D, plutôt bien faite. Donc, même la benne elle-même, hein, la 3D, elle est super, super réaliste. Elle est bien faite, quoi, c'est une belle benne. Donc même les roues, c'est plutôt... Les textures sont plutôt belles, tout ça, enfin, ça passe. Les cales de bois, qui sont super, parce que j'aime beaucoup avoir les cales, là, comme ça, sous la flèche de la remorque, ça rend tellement bien. Donc, pareil pour ici, hein, c'est pareil pour toutes les bennes, hein. Hop, petit retour Windows sans faire exprès. Donc, même les petites étiquettes que vous pouvez voir, là, les petites étiquettes sur la benne. Par rapport aux détails de la benne. Donc d'ailleurs je sais pas si ça c'est normal par rapport au gyrophare. Donc il y a un petit bug au niveau du gyrophare. Je sais pas si c'est normal ou si c'est un bug. Parce que comme vous pouvez voir, le gyrophare est un peu plus gros que le socle et il n'est pas collé au socle. Donc c'est bizarre. Si c'est normal ou si c'est un bug, je sais pas du tout. Donc après on ira faire un tour avec la benne. Donc avant on va aller dans le shop voir la petite benne. Donc c'est celle-ci, elle fait 9 000 €. C'est une bouche. Elle fait 9 000 litres de capacité, vous la paierez 8 € par jour. Elle accepte toutes les cultures de base de farm. Ou les cultures quand vous avez une map modée et que le panel de culture c'est. Donc, pour la choisir sans riddle, avec riddle en silage en bois, donc 250 €, donc ça fera 9 250 €. Ou riddle en silage ferraille. Là ça vous fera 800 € de plus et là ça vous fera 9 800 €. Donc pareil, le prix de la location augmente lui-même aussi. Donc voilà. On va mettre un petit big bag dedans. Hop. Tac. Pour voir la plane de la benne. Donc c'est pareil pour les autres bennes, hein, avec les riddles. Hein, c'est juste qu'il y a les riddles dessus. Hein. Après, c'est exactement la même chose. Hein. Donc j'espère que vous allez tous bien les amis. Hein. Moi ça va nickel Chrome. Donc j'ai pas eu le temps de faire des vidéos là en ce moment, là je vous en sors une, je pense à l'heure vous allez regarder, on sera peut-être jeudi, parce que je vais la mettre jeudi en ligne. Donc on sera jeudi, à l'heure vous allez regarder les amis, vous allez peut-être la regarder jeudi, moi je la tourne mercredi. Donc actuellement je la tourne, on est soit mercredi, après-midi, tranquillou, je tourne la petite vidéo sur farming là. Tac, on va monter dans le tracteur, je vais mettre le gyrophare. Donc même le gyro là il marche, hein, bon, même s'il est un petit peu, je pense que je sais pas si c'est un bugué ou si c'est un bug ou si c'est normal, je sais pas du tout. Donc on va le ramener à la ferme pour voir ce que ça donne. Personnellement au niveau de la... voir ce que ça donne au niveau de la benne, hein, personnellement on va regarder ce que ça donne quand elle vide. D'ailleurs il y a deux feux, j'ai jamais vu ça sur une benne qui est deux feux, j'en ai jamais vu sur des bennes qui est... deux feux à côté de la plaque et deux feux plus loin sur la rampe. J'ai jamais vu ça sur des bennes. Donc voilà. D'ailleurs n'hésite pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo et à t'abonner. Donc là on va y aller tranquillement, donc le tracteur est un peu lent, hein, on se traîne, on va aller ici, hein, on va pas aller à la ferme, la grande ferme, on va aller dans cette petite corde de ferme là. On va vider vite fait ici, hop. Tac, et on va la remplir à bloc après. Hop, donc déjà il y a une petite porte qui s'ouvre, et elle se lève. Donc voilà, les deux portes qui s'ouvrent pour la vider. La texture intérieure plutôt bien faite je trouve les gars, c'est vraiment stylé, ça fait rouillé, vieux, ça fait pas neuf. Pas neuf, 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 la benne fait pas toute récente. Espérons qu'il y a de la capacité en silo de tournesol par contre. Hop.
D'accord, c'est juste un stylo décoratif. Ça marche pas ce stylo, donc franchement, je me suis fait un peu troll par la map, mais c'est pas grave. Hop. Je fais du drift avec mon tracteur, au calme. Donc, bon, je vais le laisser là, mais là, autant. Personne. Donc voilà. Donc la benne, voilà, elle est bien détaillée, elle est sympa. Donc voilà, j'ai pas autre chose à dire sur cette benne. Elle est plutôt bien faite, donc je mettrai le lien de la benne en description et la chaîne de VCA pareil. Et la page Facebook de JF Farmer, hein, je la mettrai aussi en description de la vidéo. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu dessus, à t'abonner à la chaîne et bien évidemment à me suivre sur mes réseaux sociaux Twitter et Facebook. Moi je te dis c'est Gamari. Allez, ciao tout le monde.